Nous sommes tellement préoccupés par l'épidémie qui travaille encore notre pays, on nous donne sans cesse l'accroissement d'une nouvelle vague, que nous risquons d'en oublier les autres pays, les autres peuples. Or, il y a malheureusement à travers le monde des tas de populations qui souffrent de conditions climatiques, qui souffrent de conditions économiques, qui souffrent de conditions politiques. Et je voudrais vous inviter plus particulièrement en ce mois d'octobre, qui est le mois de la mission, à garder au cœur la pensée de tous ces peuples, afin de ne pas être simplement préoccupés de nous-mêmes, mais bien dans l'esprit de l'encyclique Fratelli Tutti, ouvert à tous ceux qui, à travers le monde, vivent du mieux qu'ils le peuvent. Porter dans notre prière, mais aussi porter par notre action concrète de solidarité, ceux qui souffrent ainsi, c'est une manière de reconnaître cette fraternité universelle à laquelle le pape nous invite. Ouvrons large nos esprits et nos cœurs, et alors nous serons véritablement fils de Dieu.